les Parisiens sont en confiance, je vois tous les médias en route vers l'histoire. Et si c'était la bonne, le PSG envoie un message à l'Europe, et vos grands-mères, attendez les demi-finales. La vie de ma mère, vous passez pas les demi-finales, le PSG. Si le PSG passe les demi-finales, j'envoie un nude à tous les mecs de Paname. La vie de ma mère. Chaque mec de Paname, vous allez recevoir un nude en privé. C'est plus Mohamed Ennis, c'est Mohamed Ennude. Oh là, vous avez battu, vous avez gagné des fermiers, frère. Des bagarreurs. T'as un joueur, il s'appelle Castagne, frère. Oh là, il n'y a pas un joueur qui est connu. Ils sont même pas dans FIFA, l'équipe. La vie de ma mère, vous passez pas. Et je serai le premier à regarder quand vous allez tomber. Je serai là quand vous allez tomber. Mbappé, cette noisette gigantesque. Oh là. Hier, il est rentré sur le terrain. Et moi, tu me parles pas d'élimination. Moi, tu me parles pas d'Atalanta. La vie de ma mère, comme ça, elle est rentrée sur Mbappé, cette noisette. Ah, les amis, hier, quand je vous disais, il y a des mecs, c'est pas de l'acrobranche, ce qu'ils font, c'est de l'acrosboob. Aujourd'hui, on a la preuve encore. Pierre Ménez, Pierre Ménaz, voilà. Ce suceur de Anelka, il vient m'insulter d'abruti. C'est plus Anelka, c'est Anelke. Oh, il le bouffe la queue, Ménez. Oh, merguez. Arrête de bouffer la merguez, c'est Anelka. T'es le premier à avoir craché sur l'équipe de France, Ménez. Voilà, Ménaz. Oh, c'est pas le Canal Football Club que tu dois présenter, toi. C'est le Canal Football Dub. Bouffeur de dub. En plus, Pierre Ménez, t'es le premier à dire que si quelqu'un te traite de gros, tu le rentres dedans. Et là, il y a Anelka qui me traite de gros porc. Tu devrais être de mon côté, normalement. Tu devrais être comme le... tu devrais être contre la discrimination. Et bien sûr, c'est quand ça t'arrange. Quand ça t'arrange, ça te traite de gros lard, ça te dérange pas. Quand c'est les autres. Mais quand c'est toi, tu te vexes. Wesh. Wesh, Pierre Ménez, Père Castor, à part parler, tu sers à quoi? Ah, Pierre Ménez qui me traite d'abruti. Je préfère être un abruti qu'un bouffeur de queue. Je bouffe la queue à Anelke. La vie de ma mère, c'est vrai. Oh là, lui, il va au snack, Pierre Ménez. Il prend pas un steak frites, il prend un steak bit. Un steak bit, s'il vous plaît, avec la sauce blanche. Beaucoup de sauce blanche, s'il vous plaît. Arrête de bouffer des queues, va. Toute ta vie, t'as cassé du sucre sur l'équipe de France. C'est toi qui as créé l'ambiance des soi-disant racailles en équipe de France. Ouais, Johan Pourcuff. Johan Pourcuff. Ouais, le pauvre, il se fait menacer, il se fait racketter par les caïds de cité. C'est toi qui as créé cette ambiance. Ouais, c'est un pyromane, Pierre Ménez. Il met le feu et il veut l'éteindre. Voilà, t'as cassé du sucre sur Benzema. T'as dit qu'il avait craché sur l'hymne nationale de l'équipe de France. Et là, je te vois l'inviter sur tes plateaux. La vie de ma mère, ouais, Benzema, on comprend pas ce qui t'arrive, on te soutient, suceur, espèce de soutien-gorge. T'es un soutien-gorge. Moi, je suis là, un pauvre chômeur, dans ma petite voiture sans permis, ma petite voiture tamponneuse. Je donne mon avis footballistique. Sur certains joueurs, t'as tout le monde du foot qui se retourne contre moi. Oh là, les Anelke, là. Bande de bouffeurs de queue. La vie de ma mère. Ils vont au snack. Un steak bit, s'il vous plaît. Oui, avec des grosses testicules en supplément. Ouais, plein de sauce blanche. Merci. Ouais, bouffeurs de zbou. J'ai pas peur des menaces, les amis. Ne croyez pas que je suis Al Capone ou Toto Rina. Moi, je suis plus Toto Urine. Je me pisse dessus. Mais quand tu sais que t'as rien fait, quand tu sais que t'es pas en tort... T'as juste donné un avis sur quelqu'un en disant « Je le trouve nul, je le trouve pas super fort au football », tu sais que tu risques rien. C'est dans ce sens que je vous dis « Je crains pas les menaces ». C'est parce que je sais que j'ai rien fait de mal. Voilà. Si demain j'y vais, j'insulte la daronne de quelqu'un qui est, tu vois, qui est injustement quoi, là je comprendrai. Mais non, je suis innocent. Voilà. I am not guilty. Je sais pas comment on dit « no guilty » pour dire « innocent ». I am not guilty, les frères. Je donne juste mon avis. Je dis la vérité, les amis. La France, c'est un pays violent. Voilà. La France, tu vas critiquer, tu vas faire quelques blagounettes sur des joueurs de foot ou sur des rappeurs ou quoi. Voilà. Deux, trois jours après, tu te fais marbrer. T'es entre la vie et la mort. T'as des gens qui disent « Ouais, mais il a bien cherché quand même. Hein. Fallait bien que ça arrive un jour. Hein. Voilà. En France, pour des blagues, tu peux mourir. Il y a des gens qui encouragent ça, bande de psychopathes. Moi, jamais j'irai menacer quelqu'un si il est mon idole. Voilà, j'irai pas le voir en privé, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu crois que je vais risquer de prendre 20 ans pour un joueur qui touche des milliards, qui s'en bat les couilles de ma vie? Non, voilà. Non, mon frère, ça marche pas comme ça. Mais il y en a, voilà, ils sont prêts à prendre 20 ans
leur daronne et pour leur meilleur ami et pour leur famille, ils portent jamais.